2011 pour William Rajot est une bonne année. En effet, ce jeune homme de 19 ans s'est fait remarquer par deux réalisateurs. Le premier, Guillaume Connac, lui a permis d'avoir un rôle auprès de l'humoriste Gérald Dahan dans la série Gouvernement, diffusée sur le web. Le deuxième, c'est Cyril Rigaud, qui lui a fait endosser l'habit du clown automate. William Rajot a aussi fait un clip promotionnel pour un concours baptisé Vivement Demain, lancé par le Conseil Général du Gard sous la houlette de Michel Gondry. Même si ce jeune comédien a fait en 2008 un stage de théâtre et de cinéma au cours Florent à Paris, son intention de figurer dans d'autres projets cinématographiques devrait lui permettre de poursuivre une voie qui est la sienne. Sur le tournage de Gabin le Mime, il nous parle de son rôle. Et nous, on regarde. Nous sommes sur le tournage de nuit de Gabin le Mime de Cyril Rigon et je suis avec William Rajot qui est acteur dans le film. Donc William, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours ? Alors mon parcours, là pour l'instant je suis étudiant en école d'infirmier et à côté de ça j'ai une passion qui est le théâtre et quand l'occasion se présente je fais aussi du cinéma. Et comment tu es parvenu à faire partie du casting de Cyril Rigon ? Alors j'ai été conseillé par le chef d'éco qui est Patrice Prélis. Il m'a conseillé au réalisateur Cyril Rigon pour ce rôle d'automate que j'ai accepté. Et ensuite Cyril Rigon m'a proposé de faire un autre rôle qui est un crieur dans un manège. Donc voilà, je fais de mon mieux. Et donc tu fais le court-métrage de Cyril, est-ce que tu seras dans le long-métrage ? Alors exactement je peux pas le dire mais il y a de grandes chances que je fasse partie du long-métrage. Cyril, il est comment avec ses acteurs ? Ah, il est. Moi, j'ai un peu discuté avec lui. Il est vraiment très très sympa, très abordable. On peut discuter quand j'ai des questions et on en discute et tout. Il n'y a aucun souci. D'accord. Et donc le film, bon, tu vas pas nous en dire beaucoup parce que bon, il faut pas dire de spoiler. Mais est-ce que tu peux nous raconter rapidement l'intrigue ? Alors l'intrigue, c'est dans un cirque, l'une des attractions phares qui est Gabin le Mime, qui est un très bon mime, pendant une représentation, se sent pas très bien et reconnaît quelques personnes dans la foule, alors que la foule lui paraît floue. Et le lendemain, il se rend compte au journal qu'il y a eu un meurtre en série et les quatre personnes qu'il avait vues la veille, ce sont les victimes. D'accord, bah écoute, on te remercie. Est-ce que tu as quand même des projets quand même pour la suite, d'autres choses de prévues ? Alors pour l'instant je continue mes études et ensuite je suis au Télémac Théâtre dans les ateliers. Voilà, je continue, si on me propose j'accepterai sûrement et voilà, je continue d'abord les études et après ma passion, le théâtre et le cinéma. D'accord, bah on fait une petite dédicace à tous les bouillarguais parce qu'on est tous les deux bouillarguais. Donc voilà. Allez, merci beaucoup.